L'arbre projette une ombre de 12 mètres. Au même instant, l'homme qui mesure 1,60 m projette une ombre de 2 mètres. Question, quelle est la hauteur de l'arbre? Donc, voici les données. L'ombre de l'arbre mesure 12 mètres. L'ombre de ce petit monsieur d'1,60 m mesure 2 mètres. Ce que nous cherchons, c'est la hauteur de l'arbre. Appelons-la x et exprimons-la en mètres. Ici, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. Le grand triangle, c'est celui-là, et le petit triangle, c'est celui-là. Nous sommes dans les hypothèses du théorème de Thalès, donc nous pouvons appliquer, par exemple, grand sur petit est égal à grand sur petit. Donc, grand x divisé par petit, 1,6, est égal à grand 12 divisé par petit 2. De cette égalité-là, nous déduisons que x est égal à 12 fois 1,6 divisé par 2, et par conséquent, x vaut 9,6. La réponse finale à la question, c'est que la hauteur de l'arbre est de 9,6 mètres.